Ok, du coup c'est parti pour une tentative sur la machine sous presto, donc on va gagner, enfin chasser les bonus et voir éventuellement ce que ça donne. Donc on a 9502. Magnifique score de la partie précédente. Alors, hop, 30 balles, il n'y a pas beaucoup de plumes, voyons voir. 75. Allez, d'entrée on va se taper le bonus à 75 balles, on va voir ce que ça va donner. Donc tu rappelles des règles, on vire les plumes à chaque spin et quand il n'y en a plus, bah, le magicien il... balance un bonus aléatoire. Bon, bien sûr, comme d'hab, bonus qui des fois paye que dalle. Le troisième pour les free games, non? Allez, bonus numéro 1, hop, à 75 balles, qu'est-ce qu'il va nous filer? Sinsel Reels, deux rouleaux, malheureusement. Des fois il en fait 4 ou 5. Alors là il a pas remis beaucoup de plumes. On va le rechercher. Ça c'est un peu le piège, quand il n'y a pas beaucoup de plumes, ça peut inciter le joueur à chasser le bonus. Et là vu qu'on est sur des hautes mises, on se dit tiens mais on va le rechasser, mais c'est pas garanti que ça rack. Alors qu'est-ce qu'il nous file? Magic 4 spin. C'est pas évident que ça paye. Et ouais, 3 dames, on va pas aller loin. 287. Alors celui à 30 balles. Allez, 75 balles, il n'y a pas beaucoup de plus, on le recherche. On va se la retenter. Les free games, pas free games. Ah si, les free games, sans déconner. Ça c'est pas mal. Alors souvent, qu'il reste une plume, qu'elle est deux boules, il fait la boule de cristal illusion, balance la troisième. Bon là, on l'a eu en dehors des boules. Quand il reste encore des plumes. Alors, on va gagner le bonus pendant les free spins. Non, bon truc. Expanding Wild, on en a qu'un. Quand on a deux ou trois, c'est mieux. On ne remet pas beaucoup de plumes, tant mieux. Enfin, reste à voir le bonus qui aura la clé au final. Et on a encore un seul Wild. Pas de deuxième, pas de troisième. 950 sur les free games, on a 9002. Crystal Ball Illusion, voilà ce que je parlais tout à l'heure, il nous a remis la troisième. Allez, refree game, tant mieux. Enfin, tant mieux, c'est Edwin à la clé. The First Big Win, 900 balles. Bénéf pour le moment, on avait commencé à 9005. Bon, après ce jeu il est pas trop mal au niveau des bonus, mais c'est un peu pile ou face avec le magicien. Des fois il file des bonus cacahuètes. Il n'y a pas grand chose niveau win. Allez, last free game. 1375. Allez, 4 plumes de restantes. Il nous file. Voilà, Magic 4 spins. On va faire le coup horizontal ou vertical. Ouais, vertical. Ah, pas mal quand même. Et bon, on a franchi la barre des 10 000.
On a pas mal, c'est joli, c'est joli. Il rebalance encore, c'est rare que le chapeau il balance comme ça de façon. Alors les as. Dommage pour le dernier rouleau. Alors là par contre, 10702. On va réduire les mises, chercher le bonus à 30 balles. On a eu des wins sympas sur le jeu de base, les free games, des bonus sympas, du bénéfice sympathique à la clé, ce qui n'était pas gagné. Throwing card, on va en faire que deux. Des fois, il en balance plusieurs, mais généralement c'est 2 ou 3. Donc, alors là, il y a beaucoup de plumes. 37,50. Allez, go pour celui-là. J'ai comme l'impression que dans pas longtemps, on va repasser en dessous de la barre des 10 000. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti, qu'est-ce qu'il nous file? 1, 2. On va avancer 3ème et 4ème. 1, 10. 0, 118. On avait commencé à 9005, donc. C'est pas énorme niveau bénéf. Est-ce qu'il va nous faire un boost du petit bénéfice restant sur le bonus ici? Ou est-ce qu'il va nous filer 3 cacahuètes? Alors 3 rouleaux. Ouais, c'est pas top, c'est pas top. Allez, 30 balles. Hop, coin 10, bet level 10. Là, on a fait encore une petite démonstration de bénéf, il y avait bénéf, il n'y a plus. Voilà. Non. Double non. Alors, bonus, ce qui me plairait, c'est 4 ou 5 rouleaux en Sins Drill, enfin les rouleaux enchaînés, 3 jokers expansifs. Mais là, il va nous faire normalement, le Crystal Ball Illusion nous balancer la troisième. Crystal Ball Illusion, voilà. Quand on voit les deux, généralement, il balance la troisième. Allez, Free Games. Est-ce qu'on va se retaper du bénéf? Bon, je pense qu'après ça, je vais lâcher l'affaire. Les Free Games, le bonus, puis Terminus. On ne sera pas tapé de perte sur ce jeu. Petit sourire narquois, la petite tête d'escroc du magicien. Un win. 140, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va nous filer de beau? Ah ouais, une seule madame dommage. Pas de deuxième, pas de troisième. Last free game, pas terrible. Hein, 215, 220. Alors 3, 6, hop, on va chercher ce bonus là, puis terminus, fin de la partie, on va voir. Donc là on a un petit bénéf qu'on est en train de cramer pour aller chercher le bonus. Dommage, est-ce qu'on va nous sortir un truc de psychopathe?
Ah ouais, non, les gros une de psychopathe, c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'il nous file? Une, deux. Ouais, 130 balles. Voilà, là c'est le coup, je me dis tiens j'arrête la partie, le jeu il rebalance 6 plumes, donc le joueur il se dit tiens bah, pour 6 plumes on va aller le chercher, hop. Donc ça c'est toujours un bon moyen de la part des programmeurs de machines à sous pour inciter le joueur à effectuer encore quelques spins. Et au final on a... Alors Magic 4 spins. Pas évident pour que les chapeaux ils aillent loin. Et voilà, que 3 rois. 25 balles. 125 balles. Bon, on termine à 9004. On avait commencé à 9005, donc c'est quasiment chou blanc. Ouais, pas évident.